Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PBLV, comme chaque vendredi. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 décembre 2014, Noël approche, youhou. Dans un instant, au sommaire, les rubriques habituelles, ils l'ont dit, sélection des répliques des personnages. Également, si j'étais scénariste, j'aurais imaginé une intrigue sur l'enfance de Constance. Mais pour commencer, comme chaque semaine, une sélection des tweets. Allez, une petite sélection des tweets de cette semaine. Et on commence avec un tweet de Bibac Later qui tweet « Guillaume, il me perturbe. Toute sa vie, il part en vacances, mais il revient jamais bronzé. » C'est une bonne remarque. En perso, je ne suis pas aussi observateur, mais c'est vrai. Il part souvent dans des pays voilà, ensoleillés et il revient toujours blanc. Bah, écoute, voilà, il y en a qui mangent moins facilement que d'autres, ça arrive. On a également un tweet de Fraloul qui tweet « C'est bon, plus belle la vie, ce sera plus pareil sans le Select. » Allez vous faire encadrer. Alors je connaissais allez vous faire. Voilà, allez-vous. Mais pas allez vous faire encadrer. Là j'ai découvert une insulte. Merci Fraloul. Je pourrais la sortir à diverses occasions. Parce que finalement c'est pas si impoli que ça. C'est léger, je trouve, comment. Je vais aller vous faire encadrer et ça peut soulager. Et puis un tweet également de Farone, qui était beaucoup autour de Plus belle la vie, qui a fait une remarque, un tweet au sujet de cette prime qui avait été promise à la personne qui viendrait témoigner sur le soir avant le drame de Meurtre d'Élie, notamment sur Vincent Chaumette. Et Pharaon tweet « Vu la pauvreté, les gens sont totalement prêts à tout pour 4000 euros. » Et Pharaon a raison. Je serais vraiment prêt à tout pour 4000 euros. Enfin, peut-être pas tout, mais 4000 euros. Et ça fait ding-ding dans la tête, hein. 4000 euros, c'est pas rien. Non, je ne serais pas prêt à tout. Quoique. Un tweet également de Socrazy qui tweet « Mélanie, elle s'est crue dans Bachelor. » C'est pas faux. C'est un très bon tweet de Socrazy. Allez, c'est l'heure de me mettre dans la peau d'un scénariste. Et si j'étais scénariste, j'aurais imaginé une intrigue sur Constance, son enfance, son adolescence, avec son beau-père. C'est parti, faites entrer l'accusé. On va la faire à la fête entrer l'accusé. Cet homme était sans histoire. Personne dans le petit village aurait imaginé qu'il pouvait commettre irréparable. Et pourtant, quand Constance était enfant, il a tenté d'abuser d'elle et de la violer. Oui, il a commis l'acte irréparable. J'adore irréparable. J'adore ce terme. Ça prend toute une teneur. Constance a souffert, elle s'est fait violer pendant son adolescence. Abusée. Quand elle était ado, la jeune fille a même sombré dans la drogue. Arrêtée par la police, ça lui a donné envie ensuite de découvrir plus amplement ce monde des commissariats, de la police, et de se lancer dans ce métier. Mais à 20 ans, l'homme, tant apprécié par les villageois autrefois, est revenu et a tenté à nouveau d'abuser de Constance. Mais là, Constance ne s'est pas laissée faire. Et Constance a commis l'irréparable, allant jusqu'à le poignarder. Tout va bien. Elle a poignardé cet homme qui était son beau-père autrefois. Il est mort, comme ça. Gisait sur le sol. Elle s'est fait aider par son oncle pour enterrer le corps. Fin de l'histoire. Constance, depuis, a cultivé une aigreur. Elle fait tout aujourd'hui pour réussir dans le monde professionnel. Sans pitié, sans cœur. Et sa vie personnelle reste ratée. Pauvre Constance. Va-t-elle un jour s'en sortir? Et cet homme, va-t-il un jour sortir de prison? Je ne pense pas. Mais en tout cas, Constance risque de garder bien longtemps une véritable souffrance après ce qu'elle a vécu et ce qui est irréparable. C'est bien, hein? Je sais imaginer des intrigues, hein, mais ça fait peur, hein. Je suis bon, hein. J'avoue, je m'aime. Allez, petite sélection de répliques. Comme d'habitude, waouh, je me jette limite sur le lit. Le décor est super. Hein. On commence avec une réplique de Francesco à Barbara qui lui dit « J'ai bossé dans des établissements prestigieux, je n'ai aucune envie de faire le clown chez les bourgeois. Voilà, » aucune envie de faire le clown chez les bourgeois. Alors, monsieur, attention, prends de la hauteur. Un tweet, une réplique, je mélange toutes les rubriques maintenant. Une réplique de Jonas à Seta qui lui dit « Le Frioul Hotel, ça fait tier. » Ça fait tir. En fait, j'apprends des expressions, je kiffe. Ça fait tir au lieu de dire ça fait pitié. Seta lui a répondu, bah tu peux pas dire pitié comme tout le monde, c'est quoi ce langage? Mais en fait, c'est une nouvelle mode maintenant. On donne des trucs à moitié. Ça fait tir. Pourquoi pas? Mais écoute, je garde ça aussi, comme pour la rubrique des trucs. Des choses que je garde comme ça pour ma vie.
personnel, c'est passionnant, n'est-ce pas? Et une réplique de Guillaume qui dit Caro et Psy, ce qui la rend incroyablement compréhensive, c'est un bonheur. Incroyablement compréhensive. Si demain il la trompe, au moins, elle sera là. Guillaume, essayons de comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Pourquoi tu en es arrivé à commettre l'irréparable? Ouh là là, ouh, je mélange tout. Allez, ne commettez pas l'irréparable et soyez au rendez-vous de ce réseau PBLV dès la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À très vite. Et n'oubliez pas Twitter, hein. Arrobas réseau PBLV, c'est le Twitter officiel de cette émission. Ciao!